viens-tu, comment t'appelles-tu et comment s'appelle l'entreprise? Je m'appelle Étienne Rosès, je suis le fondateur du Cuisinier Français et en ce moment j'habite en Savoie. Ton activité en quatre mots? Couteau de cuisine nomade. Regarde. Allez, montre. Hop, 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 hop. Un couteau de chef. Un couteau qu'on peut emmener partout et couteau de chef. Voilà, couteau de chef, pliant. Si, n'est-ce pas? J'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Transportable, super innovant. Le MIF, pour toi, c'est quoi? T'as vu, il bloque. C'est quoi, ouais, le salon pour toi, là? Ben, c'est le moment de faire connaître ce produit français, qui est resté français, qui a eu une médaille au concours Lépine cette année. Et pour moi, c'est une super vitrine pour le public présent ici. Si je te dis Lot-et-Garonne, ça t'évoque quoi pour toi? Souvenir d'enfance, je suis né là-bas. Comment t'as trouvé l'interview là? Excellent, bravo. Hey, merci, hey, refais la démo. Nico, il veut la démo. Il veut la démo, Nico. Allez, tiens, Nico, tiens, regarde, hop. Tu tires, tu l'ouvres, tu fermes. Voilà. Tu tires, et voilà. Sécurité, et c'est fermé. Et on l'a. Voilà. C'est unique au monde.